Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme chaque jour ici, nous révisons des flashcards santé accompagnées de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon mnémotechnique, objectif et ludique. Donc la première flashcard issue de notre deck santé concernera un rôle spécifique des monoterpènes. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons l'indice de satiété. Commençons sans plus attendre, c'est parti. Quel rôle les aldéhydes monoterpénoïdes peuvent-ils jouer dans la protection des plantes contre les ravageurs ? Alors, le rôle de ces monoterpènes sur les ravageurs des plantes, c'est tout simplement d'assurer leur propre survie. Et là, on a plusieurs stratégies. On a les effets répulsifs et après, je dirais un effet de toxicité biologique. Généralement, je pense fortement que ce soit des répulsifs, comme par exemple odorantes, tactiles aussi, hein, comme on le retrouve chez les orties, ou même l'être humain évite de s'approcher, donc ça a un effet répulsif. Alors chez les animaux comme les êtres humains, je crois qu'on appelle ça tout simplement répulsif, mais animaux, répulsif animaux. Voilà, en fait, il y a plein de stratégies différentes qui sont incluses dans l'arsenal de défense d'un organisme végétal, pour assurer sa propre survie. Je pense aussi qu'on a certains monoterpènes, voire juste terpènes au sens large, qui ont des stratégies différentes. Hein. Le limonène, qui est assez connu, qui est dans beaucoup de plantes à l'odeur citronnée, d'où son nom, c'est plus olfactive. Mais voilà, moi je pense fortement qu'il y a des terpènes qui peut-être ont aussi une certaine odeur olfactive, mais qui ont une structure moléculaire qui en fait une défense. Alors, j'y connais pas, hein, je pourrais pas donner d'exemple, mais avec tous les végétaux qui existent et leur mode de défense différent, ça m'étonnerait pas. Après, voilà, là on est spécifique aux terpènes, et même pour aller encore plus dans la précision, dans les monoterpénoïdes. Donc, je sais pas quoi ajouter. Ce qui est intéressant aussi, vite fait à noter, c'est qu'on a des ravageurs, entre guillemets, qui sont plus sensibles aux odeurs. Je pense tout de suite à tous les rongeurs, où là, les terpénoïdes et notamment les monoterpénoïdes ont un rôle plus spécifique, bien qu'on a aussi tout le milieu des toxines libérées par les plantes aussi pour se défendre. Voilà, franchement je sais pas quoi dire de plus, sauf si peut-être, bon c'est peut-être hors sujet, mais à l'inverse de ces effets répulsifs, voire insectifuges, on a aussi de nombreuses vertus venant des terpènes. Donc c'est vraiment la dose qui fait le poison, comme on dit, qui a été volontairement dosée en grande quantité pour une défense du végétal. Bref, j'ai rien d'autre à ajouter. J'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans les détails, qu'on donne des exemples de terpènes intéressants, et voir pourquoi pas des composés hors monoterpénoïdes. Donc passons à la vérification, c'est parti. Quel rôle les aldéhydes monoterpénoïdes peuvent-ils jouer dans la protection des plantes contre les ravageurs ? Les aldéhydes monoterpénoïdes, une exploration approfondie. Les aldéhydes monoterpénoïdes sont des composés volatiles fascinants produits par les plantes. Ils jouent un rôle crucial dans la défense des plantes contre les ravageurs, agissant non seulement comme répulsifs, mais aussi comme toxines. Ces composés, appartenant à la classe des métabolites secondaires, sont essentiels pour la survie des plantes dans leur environnement naturel. Le terme aldéhyde dérive de alcool déshydrogéné, un nom qui reflète bien la nature chimique de ces composés. Le mot monoterpénoïde fait référence à leur structure moléculaire, composée de 10 atomes de carbone dérivés de deux unités isoprènes. L'étude des aldéhydes monoterpénoïdes, particulièrement dans le contexte de la défense des plantes, a réellement pris son essor dans les années 1970, période où la compréhension des mécanismes de défense végétale a commencé à se développer. Avant cette époque, bien que la présence de ces composés ait été notée, leur rôle spécifique n'était pas clairement compris. Les aldéhydes monoterpénoïdes se caractérisent par leur structure à 10 carbones et une fonction aldéhyde qui leur confère des propriétés volatiles. Cette volatilité permet aux plantes de diffuser ces composés dans l'air, créant ainsi une barrière chimique protectrice. Lorsqu'une plante est attaquée par des insectes ou d'autres ravageurs, elle peut intensifier la production de ces aldéhydes pour renforcer sa défense.
Un des aspects fascinants de ces composés est leur interaction avec les récepteurs olfactifs et gustatifs des insectes. Gustatif, agissant comme des clés chimiques, les aldéhydes monoterpénoïdes se fixent sur des récepteurs spécifiques chez les ravageurs, déclenchant des réponses de répulsion ou de toxicité. Ce mécanisme fonctionne sur le principe de clé-serrure, où la molécule de l'aldéhyde est parfaitement adaptée pour s'insérer dans le récepteur, provoquant une réponse défensive immédiate chez l'insecte. En agriculture biologique, la compréhension de ces mécanismes naturels a conduit au développement de méthodes de lutte antiparasitaires qui exploitent les aldéhydes monoterpénoïdes. Par exemple, certaines huiles essentielles riches en ces composés sont utilisées comme répulsifs naturels. Bien que la posologie exacte puisse varier en fonction du contexte et du type de culture, une dilution typique pour une application foliaire pourrait être de 1 à 2% d'huile essentielle dans de l'eau, appliquée régulièrement pour protéger les plantes des ravageurs. Nutrition et santé. Les aldéhydes monoterpénoïdes ne sont pas seulement défensifs. Ils ont également des bienfaits pour la santé humaine. Présents dans de nombreuses herbes et épices, ils possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, contribuant ainsi à une alimentation saine. Par exemple, le citral, un aldéhyde monoterpénoïde présent dans le citron, est connu pour ses effets bénéfiques sur la santé, santé mentale et environnementale. Dans le domaine de l'aromathérapie, certains aldéhydes monoterpénoïdes, comme ceux trouvés dans la lavande, sont utilisés pour leurs effets relaxants. Ces composés jouent également un rôle dans la santé environnementale. La production de ces composés par les plantes peut être influencée par la qualité de l'air et d'autres facteurs environnementaux, faisant de ces composés des indicateurs potentiels de la santé des écosystèmes. Contrairement aux défenses physiques telles que les épines ou les poils urticants, les aldéhydes monoterpénoïdes offrent une protection chimique, invisible mais très efficace. Cette dualité entre défense physique et chimique montre la complexité des stratégies de survie développées par les plantes au fil de l'évolution. Conclusion. Les aldéhydes monoterpénoïdes sont des outils sophistiqués dans l'arsenal défensif des plantes. Ils illustrent non seulement la capacité des plantes à se défendre activement contre les menaces, mais aussi la manière dont ces mécanismes peuvent être exploités pour des applications pratiques en agriculture et en santé humaine. Leur étude continue de révéler des aspects fascinants de la chimie naturelle, montrant que même les composés les plus simples peuvent jouer des rôles complexes et essentiels dans la nature. Technique de mnémotechnie. Pour se rappeler des aldéhydes monoterpénoïdes, pensez à aldéhyde monoterpénoïde, arme légère mais offensive, neutralisant ouvertement tous ennemis rôdants pour éradiquer notre organisme intègre, dominant l'environnement susceptible. Comment les aldéhydes monoterpénoïdes peuvent-ils à la fois repousser les insectes et agir comme toxines? Alors, comme tu l'as expliqué avec l'analogie clé-serrure, les aldéhydes monoterpénoïdes ont l'étonnante capacité à s'insérer dans certains récepteurs d'insectes, voire d'animaux, ce qui provoque une réponse de fuite, voire la mort, hein, si les composés interfèrent avec des processus biologiques qui sont vitaux. Si j'ai bien compris, les aldéhydes monoterpénoïdes sont généralement volatiles. Disons que c'est la stratégie principale de ces monoterpénoïdes. Est-ce que tu peux évoquer les terpènes qui, au lieu d'être spécialisés dans la propagation par l'air, auraient d'autres spécialités comme la toxicité qui interfère avec certains processus vitaux, la capacité à coller des insectes jusqu'à les digérer, comme le font par exemple les plantes carnivores telles que la Drosera ou la Pinguicula, si ma mémoire est bonne. Si tu peux faire une petite liste des terpènes les plus étudiés en indiquant leurs vertus, leurs sources et aussi leur stratégie de défense, s'il te plaît, comme la volatilité, le ciblage des sens olfactives, tactiles, comme le cas des orties, etc. Oui, tu as bien compris. Les aldéhydes monoterpénoïdes ont effectivement cette capacité fascinante à agir comme des chimiques qui se fixent sur des récepteurs spécifiques chez les insectes ou d'autres animaux. Cette interaction peut déclencher une réponse de fuite, répulsion ou, dans certains cas, causer la mort si ces composés interfèrent avec des processus biologiques vitaux chez l'organisme cible. Leur volatilité permet à ces composés de se propager rapidement dans l'air, augmentant leur efficacité en tant que défense chimique. Terpènes aux stratégies de défense diverses.
Bien que les aldéhydes monoterpénoïdes soient principalement volatiles, d'autres terpènes ont des rôles différents, souvent liés à des interactions directes avec les organismes envahissants. Voici une liste de certains terpènes bien étudiés, avec une description de leurs vertus, sources et stratégies de défense. Caryophyllène, vertu anti-inflammatoire, analgésique. Source, présent dans le clou de girofle, le cannabis, le houblon. Stratégie de défense, tactile, olfactive. Ce sesquiterpène, bien que moins volatile que les monoterpènes, joue un rôle dans la défense des plantes en perturbant les membranes cellulaires des insectes ravageurs. De plus, son parfum peut repousser certains herbivores. 2. Azadiractine, insecticide naturel, antifongique. Source, principalement trouvé dans les graines de Nîmes, Azadiracta indica. Stratégie de défense, interférence biologique tactile. L'azadiractine perturbe la croissance et le développement des insectes en interférant avec leurs hormones, ce qui peut entraîner la mort par malnutrition ou incapacité à se métamorphoser correctement. C'est dingue. 3. Géraniol. Vertu antibactérien, insectifuge. Source. Présent dans les huiles essentielles de géranium, citronnelle et rose. Stratégie de défense. Volatile olfactive. Utilisé par certaines plantes pour repousser les insectes. Son parfum intense et agréable pour l'homme est souvent désagréable pour les insectes, les éloignant efficacement. 4. Saponine. Ah. Vertu, anti-inflammatoire, antioxydante. Source, présente dans diverses plantes, notamment les haricots, les pois et les épinards. Stratégie de défense. Interférence biologique tactile. Les saponines forment des complexes avec les lipides des membranes cellulaires des insectes et autres ravageurs, provoquant la lyse des cellules et donc leur mort. Elles ne sont pas volatiles, mais agissent directement lorsque l'insecte ingère ou entre en contact avec la plante. Ah ouais, ça rigole. 5. Thymol, vertu, antibactérien, antifongique, antioxydant. Source, thym, origan, stratégie de défense, volatile olfactive. Le thymol, un phénol monoterpénique, est volatile et se diffuse dans l'air où il peut désorienter et repousser les insectes. En plus, il peut également tuer certains micro-organismes pathogènes en dénaturant leurs protéines. Latex des plantes, par exemple les asclépiades. Vertu, toxique pour les herbivores. Source, plante de la famille des asclépiadaceae, comme l'asclépiade. Stratégie de défense, tactile adhésive. Le latex des asclépiades contient des terpènes qui sont toxiques pour les herbivores. En plus, il est collant, ce qui peut piéger les insectes et les empêcher de se nourrir davantage. Certaines plantes carnivores utilisent une combinaison de ce type de mécanisme avec des enzymes digestives pour digérer les insectes. 7. Capsaïcine. Vertu analgésique en usage topique, stimulant. Source, piment. Stratégie de défense. La capsaïcine, bien que techniquement un alcaloïde, agit en activant les récepteurs de la douleur chez les mammifères, dissuadant ainsi les herbivores de consommer les fruits ou les feuilles. Son effet brûlant est une défense directe contre la prédation. Conclusion. Les terpènes, avec leurs divers rôles, illustrent bien la complexité des mécanismes de défense des plantes. Ils ne se contentent pas seulement de repousser les ravageurs par des moyens volatiles, mais ils peuvent aussi interagir de manière directe et potentiellement létale avec les organismes nuisibles. Ces composés, en plus de leur rôle défensif, ont souvent des vertus médicinales et sont utilisés dans divers domaines, de l'aromathérapie à la lutte antiparasitaire biologique. Cette diversité rend les terpènes essentiels pour la survie des plantes et utiles pour l'homme. Super intéressant tout ça. Donc concernant les 7 terpènes cités juste précédemment par l'IA, je pense faire une flashcard sur chaque terpène sauf la capsaïcine parce qu'on en a déjà une à ce sujet, même si ça aborde pas trop le fait que ce soit un terpène à proprement parler, mais plus de ce que peut en tirer comme bénéfice le corps humain. Mais en tout cas, ça ferait un parfait lien mnémotechnique. C'est encore un peu flou pour moi tout ce qui est terpène, donc j'ai vraiment hâte qu'on approfondisse plus ce sujet et qu'on trie tout ça par famille parce que je crois qu'il y en a un sacré paquet. Et avec ce type de flashcard, je pense qu'on s'approche fortement de la phytothérapie et tout ce qui en est lié comme l'aromathérapie que l'IA a cité dans l'application pratique de l'agriculture biologique, ce qui est très intéressant, à la fois pour l'efficacité répulsive, mais aussi pour le bien-être environnemental qui impacte indirectement notre santé, à tous. Quand même assez étonné de savoir que les terpènes ont commencé réellement à être étudiés dans les années 1970, donc c'est assez récent quand même.
Donc sujet encore flou, grave intéressant, et j'ai vraiment hâte qu'on revienne dessus. Maintenant, passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi l'indice de satiété? Ok les petits loups, alors voici la flashcard inédite. Qu'est-ce que cet indice de satiété? Franchement, je connais pas du tout le sujet. On l'avait abordé ensemble très rapidement, il y a plusieurs mois, quand on parlait peut-être de l'indice glycémique. Donc, je connais pas cet indice, mais rien que par logique, étant donné son nom, indice de satiété, ce serait un indice qui permettrait de mesurer la satiété d'un individu par rapport aux aliments qu'il s'apprête de consommer. Je crois bien de souvenir qu'il y a une échelle de 0 à 100. Je pense que plus le nombre est haut, plus l'aliment en question apporte une satiété significative. Et à l'inverse, plus le nombre est bas, moins il apporte une satiété. Indice très sous-estimé parce que moi-même je l'ai entendu nulle part. Ni dans les livres, ni dans les cours. J'avais pu apercevoir, la première fois qu'on l'avait abordé, qu'il y avait pas mal de blogs santé qui parlaient de cet indice. Il a l'air d'être intéressant pour déjà ceux qui adorent manger, car c'est vrai qu'en pratique, ça peut permettre de rebondir sur la pratique. Prendre l'initiative de changer son alimentation, c'est génial, mais si c'est pour être frustré en n'étant pas rassasié et avoir toujours une grosse faim, c'est pas top. Donc cet indice de satiété pourrait vraiment servir en pratique, je pense, à tous les sportifs, notamment ceux qui cherchent un gain de masse musculaire, mais il y a plein d'autres cas, je pense, intéressants. Bien entendu, toutes les personnes qui adorent manger. Et ce que j'aime beaucoup avec cet indice, sans le connaître du tout, c'est qu'il permet vraiment de prévenir les fringales, voire la consommation d'aliments plutôt soit trop caloriques, soit trop glucidiques, ou carrément délétère, parce que c'est un aliment ultra transformé. Donc toujours dans le cas pratique, je vois bien le cas d'un individu qui n'arriverait pas, TCA ou non, à gérer ses pulsions alimentaires, notamment dans le cas de cette flashcard, parce qu'il n'ingérerait pas suffisamment d'aliments à indice de satiété élevé. Je dis bien dans le cas de cette flashcard, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui font qu'un individu serait plus susceptible d'avoir des fringales. Je sais vraiment pas quoi ajouter là, juste rapidement pour le point de vue culinaire et nutrition. J'ai des exemples comme ça tout de suite. Il s'avère que les oléagineux ont un sacré pouvoir de satiété, c'est incroyable. Et j'ai une sorte de scepticisme positif qui a comme l'impression que ce ne soit pas pris en compte par l'échelle d'indice de satiété. Après, à voir ce que prend en compte cette échelle. Est-ce qu'elle prend en compte les non-nutriments, comme certaines fibres? Je pense que oui, Sinon, ça voudrait dire qu'on délaisserait un énorme paquet d'aliments. Je sais aussi que les protéines ont un effet de satiété. Donc, dans la logique, comme ça, je dirais que l'échelle prendrait en compte fibres, protéines, calories, je sais pas. Dans la logique, calories, je dirais oui, mais ça se trouve, justement, cette échelle se base sur des nutriments et non-nutriments par rapport aux calories ingérées, comme le fait la densité nutritionnelle. Ou alors elle se base sur le poids de l'aliment. Mais je pense que ça serait plus intéressant de se baser sur les calories. À voir, c'est un peu compliqué. En fait, pour être franc, j'ai jamais approfondi cette échelle d'indice de satiété. J'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. Bref, je vais donner des exemples comme ça rapidement, qui me paraît être intéressant comme top aliment au niveau de la satiété. Je dirais les oléagineux en top 1, les légumineuses. Après, je donne des familles en fait, pas des aliments spécifiques, c'est plus facile. Étant donné que les viandes sont hyper protéinées, mais qu'elles n'ont pas de fibres, sauf si l'animal a consommé des végétaux, je dirais que le bœuf, par exemple, voire peut-être le poulet, mais ça je sais pas, bio ou élevé en plein air, aurait un sacré score. Et après, je pense qu'on aurait tous les légumes très riches en fibres et à la fois en protéines. Je pense tout de suite à certaines courges, mais leur taux de protéines doit varier en fonction de la variété de courges. Et là, je sais pas trop, du coup. Mais voilà, grosso modo, les aliments que j'ai en tête, qui pourraient être en haut de la liste. J'allais complètement oublier un facteur hyper important dans la satiété. Oh, même deux.
En fait, mais oui, j'aurais dû penser à ça plus tôt. J'avais lu ça dans un livre il y a longtemps que je trouvais hyper intéressant. C'était tout ce qui peut apporter une satiété sans apporter de calories. Et en fait, on avait l'eau, les fibres et l'air. Et là, ça change tout la donne. Parce que si on rajoute l'eau et l'air, on a beaucoup plus d'aliments qui rentrent en compte. Elle a l'air intéressante, cet indice de satiété-là. Du coup, ça change vraiment tout. Là, ce qui me vient en tête, c'est tout ce qui est salade. Vu que c'est rempli d'eau, on pourrait donc même mettre les salades, alors peut-être pas en haut de la liste, mais au milieu. Ah, mais c'est bon, je crois que j'ai trouvé l'aliment phare. Ça doit être les oléagineux, mais germés. Donc là, c'est pareil, je parie qu'il n'existe pas dans la liste, étant donné que c'est un mode de préparation, la germination, et pas le végétal brut. Mais imaginez, on prend des lentilles, qui sont hyper riches en protéines, en fibres aussi, qui sont deux éléments très significatifs dans la satiété. On y ajoute l'eau, qui est très présent, et encore plus quand c'est germé, et l'air. Alors l'air, je sais pas en précision quelle quantité dans tel aliment, et l'effet de satiété que ça peut apporter. Je sais qu'il est quand même très significatif, mais voilà. Donc je pense vraiment que les oléagineux germés, ça peut être une dinguerie au niveau de la satiété. En tout cas, sur le papier, parce que de mon expérience personnelle, c'est vraiment ce que j'ai remarqué aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cet indice de satiété? Pardon, je viens de capter que j'ai dit oléagineux germés, mais je me suis totalement gouré. Je voulais dire légumineuses germées, parce qu'on germe pas des oléagineux, sauf pour les planter. Mais je parlais bien, en fait, oui, des légumineuses germées, qui, à mes yeux, du peu que je sache, alors que je connais pas du tout cette flashcard, que je mettrais tout en haut de la liste des aliments qui contiendraient la plus haute valeur ou le plus haut score d'indice de satiété. Bref, passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi l'indice de satiété? L'indice de satiété mesure la capacité d'un aliment à satisfaire la faim et à prolonger la sensation de rassasiement. L'indice de satiété a été développé par la nutritionniste Susanna Holt dans les années 1990. Merci, pour Susanna. Comparer la capacité des aliments à rassasier. Cet indice est établi sur une échelle où le pain blanc, avec un score de 100, sert de référence. Okay. Les aliments ayant un indice élevé prolongent la sensation de satiété, aidant ainsi à réguler l'appétit et à contrôler la consommation alimentaire. On peut imaginer l'indice de satiété comme une clé qui s'adapte aux serrures de nos mécanismes de faim. Certains aliments sont plus efficaces pour rassasier, agissant comme des clés parfaites pour maintenir la satiété. Satiété vient du latin satietas, qui signifie suffisance. Le concept de l'indice de satiété a été introduit en 1995 par Susanna Holt et ses collègues à l'Université de Sydney, en Australie. Humour et engagement. L'indice de satiété, c'est un peu comme le score de bonheur de votre estomac. Plus il est élevé, plus votre estomac reste zen longtemps. En diététique, l'indice de satiété est utilisé pour élaborer des régimes alimentaires qui aident à réduire la consommation calorique en augmentant la sensation de satiété culinaire. En cuisine, on peut exploiter l'indice de satiété en combinant des aliments à haut indice, comme les protéines et les fibres, avec d'autres pour créer des repas équilibrés et satisfaisants. Oui, sommeil. Bien qu'il ne soit pas directement lié au sommeil, manger des aliments à haut indice de satiété au dîner peut aider à éviter les fringales nocturnes, améliorant ainsi potentiellement la qualité du sommeil. Activité physique. Pour les athlètes, choisir des aliments avec un haut indice de satiété peut offrir une énergie durable sans surcharger le système digestif. Nutrition. Les aliments riches en protéines, en fibres et en eau ont généralement un indice de satiété élevé. Par exemple, les pommes de terre bouillies ont un indice de 323, bien supérieur à celui d'un croissant, qui est de 47. Ah ouais, santé mentale. Comprendre et utiliser l'indice de satiété peut encourager une relation plus saine avec la nourriture, réduisant l'anxiété liée à l'alimentation. Santé environnementale. Choisir des aliments à haut indice de satiété peut indirectement contribuer à réduire le gaspillage alimentaire en diminuant la surconsommation. Contrairement à l'index glycémique qui évalue l'impact sur la glycémie, l'indice de satiété se concentre sur la durée de la sensation de rassasiement. Ne pas confondre l'indice de satiété avec la densité calorique. Certains aliments riches en calories, comme les noix, peuvent tout de même avoir un indice de satiété élevé. Conclusion. L'indice de satiété est un outil précieux pour comprendre comment différents aliments influencent notre sensation de faim, permettant ainsi de faire des choix alimentaires plus éclairés.
visuel et schéma. Imagine une balance où d'un côté, il y a la quantité d'aliments consommés et de l'autre, la durée de satiété. Les aliments à haut indice de satiété penchent la balance vers une satiété prolongée. Technique de mnémotechnie, indice de satiété. Il sait arrêter ta ingestion excessive totalement efficacement. Peux-tu donner un exemple d'un aliment ayant un indice de satiété élevé et expliquer pourquoi ? Alors, je dirais n'importe quel oléagineux, étant donné qu'ils sont majoritairement riches en protéines et en fibres. Sinon, en aliments spécifiques, je dirais que les lentilles germées devraient arriver en haut de l'échelle avec un sacré score, car elles sont riches en protéines, en fibres, en eau, comme tu l'as souligné, surtout en étant germées, mais aussi en air. Et ça, t'as oublié de l'aborder. Pourtant, je pense que c'est un facteur important qui a un impact significatif dans la satiété. Peut-être l'exemple de l'air ingéré en consommant des pop-corn pourrait influer sur la satiété, ou même des oléagineux non grillés comparé à des oléagineux grillés, où l'air du coup apporterait une satiété. Voilà, donne-moi des exemples d'aliments qui ont un gros score de satiété. Et dis-moi aussi ce que prend exactement en compte cet indice de satiété, s'il te plaît. Tu es sur la bonne voie avec les oléagineux et les lentilles germées. Les oléagineux, bien qu'ils soient caloriques, sont effectivement riches en protéines et en fibres, ce qui contribue à un indice de satiété relativement élevé. Les lentilles germées sont également une excellente suggestion en raison de leur richesse en fibres, protéines, eau et même en air, comme tu l'as mentionné. L'air présent dans certains aliments, comme les pop-corn, peut effectivement jouer un rôle en augmentant le volume alimentaire sans ajouter de calories significatives, contribuant ainsi à la sensation de satiété. Exemple d'aliments avec un gros score de satiété. Voici quelques aliments connus pour leur indice de satiété élevé. 1. Pommes de terre bouillies. Score de satiété 323. Pourquoi ? Riche en eau et en fibres, ce qui augmente le volume alimentaire dans l'estomac et prolonge la sensation de satiété. 2. Légumineuses, comme les lentilles et les pois chiches. Score de satiété, environ 133-136 pour les lentilles. Pourquoi ? Contiennent beaucoup de fibres et de protéines, ce qui ralentit la digestion et maintient la sensation de rassasiement plus longtemps. 3. Score de satiété, 239. Pourquoi ? Riche en fibres solubles, bêta-glucanes, qui absorbent l'eau, augmentant le volume et prolongeant la satiété. 4. Poissons, comme le cabillaud. Score de satiété, 225. Pourquoi ? Riche en protéines, ce qui est l'un des macronutriments les plus rassasiants. 5. Pommes. Score de satiété, 107. Ah oui. Pourquoi ? Riche en fibres et en eau, avec une faible densité énergétique, ce qui permet de consommer un volume relativement important pour peu de calories. 6. Popcorn, non sucré, sans gras. Score de satiété, environ 154. Pourquoi ? Le volume d'air dans les popcorns contribue à une sensation de plénitude malgré un apport calorique modéré. Ce que l'indice de satiété prend en compte. L'indice de satiété prend en compte plusieurs facteurs pour évaluer la capacité d'un aliment à rassasier. 1. Densité en protéines. Les protéines sont connues pour leur effet rassasiant supérieur par rapport aux glucides et aux lipides. 2. Teneur en fibres. Les fibres, en particulier les fibres solubles, absorbent l'eau et ralentissent la digestion, prolongeant la sensation de plénitude. 3. Teneur en eau. Les aliments riches en eau ont tendance à être plus volumineux, ce qui peut combler l'estomac sans ajouter beaucoup de calories. 4. Volume d'air. Comme tu l'as souligné, l'air présent dans les aliments comme les pop-corn ou les aliments germés peut augmenter le volume consommé sans augmenter significativement les calories, contribuant à la satiété. 5. Densité énergétique. Les aliments à faible densité énergétique, moins de calories par gramme, sont souvent plus rassasiants car ils remplissent l'estomac davantage pour moins de calories. 6. Index glycémique. Bien que l'indice de satiété ne se concentre pas uniquement sur l'index glycémique, les aliments avec un IG bas peuvent contribuer à une libération d'énergie plus lente et à une sensation de satiété prolongée. Ah, c'est ce que je pensais. En résumé, l'indice de satiété est une mesure qui prend en compte plusieurs caractéristiques nutritionnelles et physiques des aliments pour déterminer leur capacité à prolonger la sensation de rassasiement. C'est un outil utile pour ceux qui cherchent à contrôler leur appétit et leur apport calorique de manière plus efficace. Ok, bon, hyper intéressant tout ça. Qu'entends que l'IA souligne aussi le fait que l'air
soit pris en compte dans cet indice de satiété. De toute façon, même si c'était pas pris en compte, je pense que c'est toujours important d'avoir un état d'esprit comme iconoclaste et ne pas être fixé sur une règle absolue, alors que faire différemment pourrait prévenir, voire sauver des vies. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le facteur volume d'air pris en compte parmi tous les autres facteurs dans cet indice de satiété est, je pense, le plus sous-estimé. Après, on a peut-être l'eau, mais vraiment le volume d'air vraiment très sous-estimé. Intéressant, le petit aparté sur la densité énergétique. Même si je pense qu'il y a des exceptions, c'est intéressant de cibler, comme Liel l'a rappelé, les aliments qui ont moins de calories par gramme. Parce que la plupart du temps, ces aliments qui ont moins de calories auront d'autres substances apportant une certaine satiété. Concernant l'indice glycémique, c'est très intéressant. Alors l'IA, elle nous dit qu'il vaut mieux consommer des aliments à IG bas pour avoir une libération d'énergie plus lente. Moi, j'ajouterais vraiment à ça, d'abord ne pas nuire, donc éviter en premier temps les aliments à indice glycémique élevé pour éviter d'avoir des fringales, ce qui annulerait carrément une bonne partie des aliments consommés avant le pic de glycémique qui aurait de base un effet de satiété intéressant, mais à cause d'une glycémie trop élevée, ben ça annulerait tout l'effet de satiété, quoi, pratiquement. Du moins, une bonne partie, si l'IG est trop haut. Donc l'indice glycémique, vraiment, à ne pas négliger, c'est sûr que si un individu consomme des friandises, des bonbons, sans arrêt, en dehors des repas, ben c'est sûr qu'on aura une concurrence entre la fringale pendant ou après le pic glycémique et l'effet de satiété des aliments ingérés plus tôt. Donc très 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 intéressant à souligner l'indice glycémique parce qu'il il pourrait contrecarrer une bonne partie des efforts faits en consommant des aliments soit à densité énergétique plus ou moins faible, avec un volume d'air plutôt haut, avec une bonne teneur en fibres, une bonne teneur en protéines, etc. Je reviens pas sur les aliments qui ont un très haut score de satiété, parce qu'il y en a un bon paquet. Je pense que vous pouvez retrouver facilement un tableau sur internet, bien que il faut quand même vérifier que tous les facteurs pris en compte par cet indice soient réellement pris en compte, parce que franchement, je suis un peu sceptique sur le fait que les professionnels prennent tous en compte tous les facteurs, surtout les plus insoupçonnés comme l'air et l'indice glycémique. La comparaison par contre entre les pommes de terre bouillies d'un score de 323 comparé à un croissant d'un score de 47 est très intéressante. Ça démontre bien la différence entre les deux. Et ça me rappelle une comparaison flagrante que j'avais pu observer entre la valeur antioxydante d'un poulet et des fruits rouges. Même la salade iceberg a plus d'antioxydants que le poulet. C'est ouf. Mais bref, on n'est pas là pour parler d'antioxydants aujourd'hui. Mais pour finir la flashcard, ce qui est hyper intéressant, c'est que d'un point de vue culinaire, la préparation et ou la transformation a un impact vraiment significatif sur la satiété. Pour le cas de cette flashcard, mais on n'a pas que la satiété, on a aussi la biodisponibilité qui rentre en jeu. Donc je trouve ça très fascinant de se dire que la façon dont on cuisine, qu'on prépare un aliment, va certes jouer d'un point de vue gustatif, mais aussi nutritionnel par la biodisponibilité, et au niveau de la satiété, comme on vient de le voir à l'instant. Donc voilà, hyper content qu'on ait vu ça ensemble aujourd'hui, comme ça on a un nouvel indice de mesure dans notre mallette à outils, qui va nous servir fortement à titre professionnel ou même individuel. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao!